Non, je vais changer de mission parce que je sais que c'est faux et que j'ai tout le temps du monde, mais je vais la jouer RP, je me dis que... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est les sous-missions. Je vais faire le truc La de... conversion énergétique est bien en deçà du taux acceptable. Fermez-la, je L'impression parle. interne Je augmente. vais Je suis surpris que stabiliser le RSM soit toujours debout. le Quand ça réacteur avant pètera, tout on ça. sera tous emportés. Fermez-la, je m'en fous. Ah attendez, il y a quelque chose là. Lis le document! Salut Simon, j'ai eu ton message. Si quelqu'un dans le secteur pose des questions sur Atti, contente-toi de dire que tu t'en charges. Le personnel ne doit en aucun cas interférer dans ses tâches quotidiennes. Donc ouais, c'est... Atti, il est connu par tout le monde. Super. Je t'ai dit tout ce que je sais de lui pour que tu puisses gérer au mieux ses bizarreries. Tout ça est bien confidentiel. J'ai lu ton rapport sur l'ouvrier de la carrière qui est allé du côté de la fondation. Ah! La fondation avec un F capital. Enfin, oui, capital, je sais pas comment dire en français. Ça, c'est peut-être une référence du coup à la fondation SCP, mais je sais pas, on va voir. Tu as bien fait de le mettre en détention. Nous devons savoir ce qu'il a vu avant de prendre une décision. PS, au cas où tu n'aurais pas remarqué, il se passe quelque chose entre Trench, darling. Darling. Je sais que c'est pas ton fort, mais tâche de pas t'en mêler. Ok. Est-ce qu'il faut que je retienne les noms? Parce que j'y arrive pas, moi, dans les jeux. Si je rencontre pas les gens, je peux pas retenir leur nom. Je suis comme ça, moi. Ah! Alors apparemment, j'ai des... Ouais, voilà. Ah! Ah, c'est bien, ça s'arrête. Je peux réfléchir. Donc ouais, j'ai des petits trucs, là. Renvoie les grenades et les roquettes à l'ennemi. C'est génial! Le corps à corps, c'est bien, mais je l'utilise pas trop, en fait. Ah, il y a mes reins qui commencent à me faire mal, tout va bien, je vais bientôt mourir. Attendez, je les replace. Voilà, c'est bon. Renvoie les grenades. Alors pour le moment, j'ai pas rencontré de grenades ni de roquettes. À part dans le tutoriel, mais ça compte pas. Donc je... Oh, nique ta mère. Voilà. Pardon pour les mamans. Et je vais rajouter plus 10% d'énergie. Voilà, au moins je vais avoir plus d'argent. Voilà! Ouais, j'ai plus... Voilà, il me semble bien. Construction astrale. Braiser. Construire rotation. Ah, il y a un nouveau. Rotation dispose d'un chargeur conséquent et d'une cadence de tir élevée. Efficace quand on utilise en courte rafale. Ah, ça c'est bien! Ça je préfère parce que ça c'est à courte portée, c'est de la merde. Comparé à l'autre, c'est quoi? Moi ce que j'ai, c'est quoi? C'est normal, pas de spécificité. Ok. Mode. Peu commun. Améliorer. Non, je vais pas. J'allais me rapprocher et faire encore plus de bruit, mais je vais pas le faire parce que c'est vraiment pas gentil. Écoutez, je vais en construire deux parce que voilà. Taux de récupération d'énergie 22%! Muchas gracias! Alors je me suis fait spoiler un petit peu sur internet parce que d'après ce que j'ai compris, les contre-mesures du comité, du coup les... Comment on va appeler ça? Les sous-quêtes, c'est bien, ouais. Ou les mini-quêtes peuvent être en fait réactualisées indéfiniment pour avoir une source de mode inépuisable en fait. Et dès qu'on a une mode qui... un mode plutôt qui nous convient, on dit, ah bah tiens, je prends celui-là. Non, putain. Tchoum. C'est quoi ça? Ah d'accord. Forme d'arme. Je sais pas ce que c'est. Ok, mode personnel. Coût d'énergie du lancer, moins 8%. Putain, j'ai plein de trucs! Alors, ça c'est quoi? Amélioration d'énergie. Ça veut dire quoi ça? Taux de récupération d'énergie et énergie. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, quand on utilise différentes habilités, il y a la barre blanche au milieu de l'écran. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je pensais que c'était juste une jauge indépendante pour chaque... Pour chaque mouvement, c'est-à-dire si j'utilise ma télékinésie, c'est une barre. Si j'utilise mon dash, c'est une autre barre. Mais non, c'est de l'énergie en général. D'accord, j'ai compris. Très bien. Ben, en fait, c'est toujours un peu de la merde. Coup d'esquive. Écoutez, j'utilisais ça parce que c'est exceptionnel, hein. Apparemment, c'est de classe exceptionnelle donc je vais utiliser. Et puis, c'est vrai que plus 22% de récupération d'énergie, c'est pas dégueulasse. Mode d'arme, comment ça 5 sur 24?
Ah, donc en plus, je dois gérer mon inventaire. Ah, c'est chiant. Amélioration de cadence de tir. J'ai quoi là? Énergie acquise lors d'un tir de tête. Ah, mais j'aime bien moi parce que je suis fort au tir de tête. Et. Dispersion du projectile, projectile tiré, cadence de tir. Munition dispensée par tir. Mais je préfère mon. De toute façon, c'est juste de l'énergie en fait ce que j'ai en tir de tête, donc c'est un peu de la merde. Donc ouais, je prends ça. Et je vais nettoyer tout ça en fait. Ah ouais. Voilà, de l'argent facile, easy money. Easy money. Je regarde même pas ce que je vends. Voilà, je garde ça au cas où si j'ai une autre arme plus tard dans le jeu. Pourquoi je peux pas? Ah, je peux la, oui, je peux la recycler. Donc ça, c'est exclusivement pour brisure, donc on verra quand on l'aura. Cadence de tir, bof. Énergie, en fait, c'est un peu de la merde, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ce moment gestion. J'espère que c'était fort amusant. Pourquoi j'ai des nouvelles missions? Objet à collectionner. Ah, du coup, j'ai mon cheval. D'accord, cheval en fibre de fer qui a jadis servi à, de manège, de siège dans un manège. Le mât est toujours relié à l'objet. Ouais, donc comment il fait pour marcher? Il marche sur le mât en sautant là, en sautillant comme un con. C'est nul. L'objet est capable de se déplacer à grande vitesse sur de petites distances. C'est peut-être très dangereux lorsque quelqu'un est sur son chemin. D'accord. Donc en fait il fait des dashs. D'accord, ok. L'objet a été découvert dans un parc d'attractions abandonné, forcément. Des oh locaux ont signalé que les montures d'un manège se déplaçaient seules et les avaient pourchassés. Ah donc il y en a plusieurs. Quand le bureau a eu vent de ces rumeurs, voir l'épisode 235 de Nocturne américaine. D'accord, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc les EDP sont transformés. Comment ça s'appelle? EDP, oui c'est ça, j'ai oublié. En tout cas tout ça sont transformés en légendes urbaines à travers Nocturne américaine. American. Intéressant. Les agents ont été envoyés pour enquêter. On a trouvé trois locaux sur place décédés. L'objet s'en est pris à l'agent. Oh. Les agents ont invoqué la formule C5 pour un. D'accord. Et quand il est lié, en fait, si j'ai bien compris, il devient docile. Parce que c'est marqué que quand il n'est pas lié, il doit être gardé dans un confinement. Dans un espace de confinement. Ah oui, il y a la disquette aussi, ça c'est ça qui me fait télékinésie. Télékinésie. C'est un nouveau verbe que je viens d'inventer. Les enfants de la lisière. Ah, c'est le truc là bizarre. Là. Je sais pas ce que c'est. Le show pour enfants. Oui, bah ça va, ferme ta gueule, j'arrive. Il fait des bruits bizarres là, il fait pan. Ouais, bah ça va, j'arrive. Oui, j'arrive. Où je dois aller? Réparer les pompes. Ah, il y a des gens là. Ah ça y est, je suis perdu. Voilà, j'ai batifolé pendant 2 secondes et ça y est, je suis perdu. C'est là. Réparer les pompes de refroidissement. Ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Dégage. T'approches pas, t'approches pas. Ah mais il pète! Ah, il est dans le tuyau! Mario, sauve-moi! Ah mais c'est horrible! Ah mais arrête de bouger! Arrête! Ah mais il y en a plein! Dégage! Ah! Prends un carton! Ah, livraison Amazon! Livraison Amazon! Oh, c'est malaisant! C'est malaisant! Vous êtes malaisant! Vous êtes malaisant! Saturé par le hiss. Vous êtes malaisant. Vous êtes juste malaisant. Ah! Ah, c'est pas bien ce que vous faites, hein. Moi, j'ai oublié que je pouvais dasher en plus. Faut que je l'utilise assez souvent pour éviter de l'oublier. Ah, c'était pas bien ce qui s'est passé. Hein. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Est-ce qu'on pourrait arrêter du coup? Mais je.
Chou. D'accord. Hop là. Ah, arrêtez. Il y a une boîte là, c'est quoi? Ah. Remplacé par. Eh ben ça va. C'est une énigme. Je crois que j'ai trouvé la solution. Pour ne jamais devenir grand. Ta gueule. Ah. Ah, mais je t'ai eu. C'est pas genre, je t'ai pas eu. Oh putain. De l'énergie, de l'énergie. Ah, j'ai cru entendre Mario. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Sortez de là. Dégage. Prends de l'énergie. Ah. Oh. Ah. Oh. Voilà, purifie tout ça moi. J'ai parlé plus français. Oh là là. C'est tendu du cul tout ça. Oh. Pardon. Eh, ça flotte là, c'est normal. Voilà, c'est mieux là. On respecte la gravité s'il vous plaît. Bon, on respecte la gravité. Soyez décent. Ouais, du coup, je suis perdu là. Ah. Convertisseur d'énergie. C'est quoi ça? Bonjour. C'est là que je dois aller pour faire chauffer des trucs. Je t'alimente. Est-ce qu'Ati voulait parler de ces arrivées de matière biologique dangereuse? Non. Je suis sûr que non, il voulait dire du papier, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Je suis le docteur Pierce, chercheur en chef du département de paratonésie. Ah pardon, il faut que je t'écoute. Je pense avoir découvert une entité paranaturelle. Ouais, c'est tellement paranaturel. Juste dis... Disait. Dites. Paranaturel, je commence à le dire, c'est paranormal, paranaturel. Bande de hippies, de hipsters. Que cet enregistrement soit la preuve qu'il leur manque. Le fourneau peut parler. J'ai pas écouté. Quelque temps maintenant. Non mais t'es juste folle, hein, cocotte. J'entends rien. Entendu, c'est une force sensible, capable de communiquer. J'ai vérifié, il n'existe aucun document relatif à l'installation de ce fourneau. Je crois... Il est vivant. Pardon? Oui, je peux te nourrir. Qu'est-ce que tu veux? C'est une enfant ou quoi? Enfin, pourquoi je vais essayer de trouver des volontaires alors. Tout va bien, tu vas nourrir des gens à ce fourneau maléfique. Et on va pas noter le fait qu'elle a la même voix que Jessie. Je pense que je suis en train d'enfreindre un paquet de lois environnementales sur le traitement des déchets. Bah, Osef, on fait recycler le... des trucs radioactifs, c'est pas fantastique ça? Et par contre, toi tu t'en fous de... d'avoir des trucs radioactifs à 2 cm de ta gueule? Osef, c'est bon, enfin, au point où on en est, des déchets radioactifs ou pas, enfin, c'est... C'est bon, enfin. Rien de vraiment nouveau. On va dire que si t'as le cancer, vu tout ce que t'as pris, vu tout ce que t'as pris avant, je pense que tu l'as déjà. Bon, j'espère qu'ils vont pas s'ouvrir, vu que je les balance de droite à gauche. Alors, et Bosé. Bosé, bise-moi ça. Le compta persiste à me dire qu'elle a pas reçu mes notes de frais. Ils disent qu'ils ont. Qu'elles ont dû se perdre dans le système de tube pneumatique à cause d'une mutation. Quoi? D'une lisière ou d'une autre saleté de ce genre? D'accord, donc il y a des mutations dans le système pneumatique. Tout va bien. Nos problèmes, des fois il y a des mutations. Les conduits ils mutent. Ça va, hein, pas de problème. En plus, sans les originaux, ils ne peuvent pas vérifier mes dépenses. Donc adieu le remboursement. Quelle connerie. Pourquoi est-ce qu'on sert du système pneumatique pour commencer? Sylvain, le courrier dans une putain de dimension.
Et alors ? J'en ai rien à foutre ! Pourquoi je lis des documents de gens qui se plaignent ? Je me plains déjà, à quoi ça sert que je lise des documents de gens qui se plaignent ? Mes plaintes suffisent, non ? Et pas qu'à moi, aux gens qui regardent. Enfin voilà. Fais pas chier. Non mais, pas ça. Bon, tu peux le nourrir, hein. Pas de problème, mais... Ah non, non, la bonne radioactivité. Oh non, non. Elle est où la dernière ? Radioactivité. Ah putain, il me faut un compteur Geiger. Ah bah elle est là. Comment je l'ai... Comment ? Attends, elle a repopé ou je l'ai manqué comme un couillon ? Bon, je pense qu'elle a repopé. Hein. Je suis pas sûr. Je crois que je l'ai manqué comme un couillon. Par contre, le feu devient de plus en plus fort. Est-ce que je... C'est pas une surchauffe ? Non ? Et oula, c'était le dernier. Pourquoi j'ai fait ça ? Par contre, il y a des moments où faudra apprendre à avoir une volonté de ta propre personne. Parce que faire des trucs comme ça que des inconnus te disent de faire plutôt, et que tu sais pas les tenants et les aboutissants de justement cette action, tu devrais pas faire cette action, tu devrais pas réaliser ces tâches. Parce que moi je sais pas ce que je viens de faire là, je viens de brûler des trucs et je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens juste de jeter des déchets ? Tu te fous de ma gueule ? Tu te fous de ma gueule ? Et j'ai pas juste ramassé des déchets ! Il y a quelque chose d'autre ! Tout va bien. Ne paniquez pas. Non, j'aime vraiment pas ce bruit. Tout va bien, tout va bien. Pourquoi ? Oh non, je peux pas y aller. Ah, mais arrête. Voilà. Explosion. Vous êtes niveau 2. Et moi, je suis niveau 46. Frisicinoscope. Ah, j'ai des reliques. Oulala, les pulsions rituelles. Vous avez vu ma belle ombre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? T'as un problème ? T'as un problème ? Tu veux fight ? Visiblement, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez. Et un, deux... Oula, il est allé dans le sol. Moi, je... C'est de la triche. Il utilise des modes. Mais, t'es pas précis. Putain, mais le truc, il est pas super précis. Moi, je pensais qu'il tirait là où je tirais. J'étais au centre de sa tête. Il... Arrêtez avec ces titres-là, putain. Cassé. On dirait Avengers. Répare vite si la centrale fait boum. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ça prend vraiment du sens dans ta langue bizarre, mais pas dans la nôtre en fait. Traduis s'il te plaît. Ah. Quoi ? Dégage. Y'a pas des... Ah, non. Non mais j'entends des connards. J'entends les monstres de Silent Hill là, ils sont où ? J'entends les creepers, ils sont là ! Les creepers ! Les creepers. Eh, qui en a besoin ? Qui a besoin d'un petit générateur ? Personne ? Ok. Attendez, j'ai un document, je lis. Attendez, pause lecture. J'ai dit pause lecture ! Ok. Ce blocage dégoûtant dans les canalisations est de retour. Mais c'est quoi ce machin ? Et d'où est-ce que ça peut sortir ? Et pourquoi donc Attis en tête à lui crier des trucs incompréhensibles ? Il fait comme nous, si... il fait comme si ça pouvait le comprendre. Évidemment, il fait comme si nous pouvions le comprendre. À chacun son grain de folie. Mais s'il y a une nouvelle solution caustique, plus concentrée. Ouais, s'il y a Atti qui commence à parler au... Ah ! Au tuyau, c'est qu'ils sont vivants. Enfin, c'est... Et vous devez pas être aussi... Ah ! Vous devriez pas dire que c'est bizarre qu'il parle au tuyau. Enfin, vous avez vu des trucs beaucoup plus bizarres, il me semble. Ah, on me tire dessus. Arrêtez. Pourquoi vous me tirez dessus ? Cessez. Immédiatement. Tu fais ton malin ? Tu fais ton malin ? Ah bah voilà. C'est fantastique, ça. L'environnement se détruit. Je peux en faire ce que je veux. Arrêtez.
immédiatement. Ah bah je descends, hein, si c'est comme ça. Hein, c'est... Stop. Voilà, tu t'en prends plein la gueule. Bisous. Alors je cherche où est-ce que je peux mettre des trucs comme ça. C'est tout, c'est bon, j'ai... Il fallait juste brancher un générateur. Ah bah voilà, là, ici. Voilà. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je regarde? Hop là! Hop là! Allez, on pète les petits tétons! On pète les petits tétons! T'es un petit con, toi! Hein? Tu fais ton malin? Qu'est-ce que tu fais là? Dégage! Dégage! Voilà les petits tétons! Putain, c'est quoi ce truc? C'est que maintenant que tu poses la question. C'est dégoûtante que j'ai jamais vu. T'inquiète pas, il y en a encore plein comme ça. Ah, non, un petit téton. Bah ouais, vas-y, recule. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne me tue pas, s'il te plaît, j'ai une mission secondaire qui me demande de pas mourir. Allez, plus vite! Plus vite! Dégage! T'es vraiment qu'un sale petit con. Hein. Putain, je vais crever à cause de ces conneries. Je vais pas me mettre là. Je vais me mettre là. Voilà. Voilà. Casse-toi. Quoi tu... Je tire dessus là. Je tire dessus. Tu peux pas régénérer ta vie. Je sais que ça marche pas comme ça, mais... T'es morte? Hein? Ah! J'ai pas envie de crever, putain. C'est temps de lui cul, tout ça. En vrai, j'aurais dû revenir en arrière pour... Pour essayer de retrouver de la vie que les mobs avaient laissée, mais... Puisque je suis con, je l'ai pas fait. Je t'ai vu, toi. Ah, mais c'est dégueulasse. Tu m'envoies du pu, c'est ça? Des fluides corporels? C'est pas très gentil tout ça. Hein. Franchement, c'est sale. Hein. Personne n'aime les gens qui sont sales. Personne. Allez, décède. Ouf. Merci. Voilà, descends, c'est bien, voilà. Recule, allez, pousse. Soumets-toi à ma grandeur. Il est parti. Super, donc c'est ça la mutation dont il parlait là dans les documents? La mutation des tuyaux? Il y avait ça dans les tuyaux pneumatiques aussi? C'est dégueulasse, hein. Faut se dépêcher. Sans déconner. Ferme-la. Alors ça m'a l'air intéressant aussi parce que si j'ai bien compris le truc... les petites chansons que vous entendez là, les oh, c'est des sortes de signaux laissés par Hattie pour dire, hey, il y a quelque chose à faire là, je crois. Parce que dans la mission secondaire là du fourneau, il y avait un truc comme ça. Il y a quelque chose là? Non? Ah, mais saute. Voilà, c'est bien. Ils sont où après les convertisseurs d'énergie? Ah, ça lag. Tout va bien? Ok. Pom, 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 pom. J'ai fini. Bon, il doit en rester un, mais je sais pas où. Excusez-moi, je suis aveugle. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis non-voyant. Bon, c'est pas vrai. Je suis très malvoyant. Déjà, de base, je suis myope. Mais alors là, en plus, si tu doubles ça avec une stupidité abyssale, je vais pas aller loin. En plus, c'est juste devant l'entrée. Je suis le roi des connards. C'est juste devant l'entrée. Quoi? Ah, mais tu fous la merde. Par contre, ne me touchez pas.
Voilà, me touchez pas. C'est bien. Casse-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On va tirer dessus. Ah. Casse-toi. Dans le genou. Je vous ai pris une balle dans le genou et du coup je suis devenu un canard. Mon défi. Mon défi va être validé. Hey yeah, j'ai validé un défi. Ah, il m'a tiré en plein dessus. Petit con. Je vais te niquer la gueule. Chou. Du coup j'ai reçu quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu? C'est de la merde? J'ai rien reçu? Rendez-vous à l'exécution. Ah, super! Ok. Bon, je pense que ça va être un peu de la merde ce que je vais recevoir, même si c'était plutôt tendu de pas mourir pendant tout ce moment-là. Hein, parce que je suis pas très doué, on va l'admettre. Mais je pense qu'en fait, plus je réussis de ces mini-quêtes, plus je vais avoir des résultats intéressants. Bon, je pense que je vais faire... Oui, c'est... Est-ce que je vous dérange? Ça va? Vous êtes... Ah, vous êtes bien en bas? Voilà, je préfère. Bah écoute, non mais ta gueule. Ah, t'es le roi des fils de pute. Hein. Ah! Tiens! Putain, c'est quoi ce balèze? Attendez, je crois que je vais prendre un truc. Voilà, ça va faire un peu plus mal parce qu'il y a des cailloux. Voilà, c'est bien ce qu'il semblait. Tiens, prends ça! Prends ça encore! Putain, bordel de chiottes. Ah! Mais je peux pas l'atteindre. Alors je vais faire un truc très très risqué. Putain. Oh putain. Check. Je vais te niquer la gueule, tu vas rien comprendre. Yes. Pardon, excusez-moi. J'ai créé dans le micro, j'aurais peut-être pas dû. Qu'est-ce que ça fait? Être bolossé par la naval directrice. Fais plus jamais ça, s'il te plaît. Tu m'as fait très peur, j'ai cru que t'allais te relever. Ah, c'est les recherches sur le IS, donc tu notes tout ça en plus. Ah ouais, d'accord. Extrême, hein. Et en plus, tu notes sans papier. C'est fantastique. Tu notes dans ton esprit. Tu es un formidable spécimen, hein. Jesse. Ça dit Jesse ou Jess? Jess, en français, on va dire. Alors, les éclaireurs sont les premiers à pénétrer dans les EAM inconnus. Ah, forcément, ça s'appelle les éclaireurs. Pardon, désolé. Je m'en fous. C'est nul. Oui, mais ils disent que je peux utiliser leur grenade contre eux, mais il m'a lancé aucune grenade, il m'a défoncé avec un lance-roquette, avec un... Comment s'appelle là, le truc Voilà, ce qui m'a tiré dessus, je pouvais pas le renvoyer en tout cas. Donc tu m'as menti le jeu. Ne me mens pas s'il te plaît. Est-ce que je peux descendre? Alors il semblerait que je puisse descendre, mais je pense que l'atterrissage va être très très violent, donc je vais pas le faire. Est-ce que je peux faire un double saut là? Parce qu'il y avait le monde d'Atlantica là, je pouvais aller sous l'océan. Je peux pas y aller s'il vous plaît? Ça a l'air intéressant. Je vais aller sous l'océan. Sous l'océan c'est bien. J'essaie de me souvenir d'un verset de la chanson mais je m'en souviens pas. Sous l'océan. Sous l'océan. Ok, c'est de la merde. Je dois aller où? Ah, j'ai des capacités. J'ai augmenté un petit peu ma santé parce que ça vient tendu du cul. Un petit peu. En tout cas, mon cul est tendu. Lancer des ennemis légers dont la santé est faible. Ah oui! Oh putain,
J'étais, ah non, ma caméra. Bah du coup, il va falloir étider tout ça. Ok, donc je vais faire une petite pause pour aller manger surtout et changer les paramètres de ma caméra, ce qui est fantastique parce que elle était censée se mettre automatiquement dans un nouveau mode la nuit tombée, enfin le soleil se baissant et du coup n'éclairant pas mon visage de mille feux. Mais ce n'est pas le cas, donc c'est bien de la merde et du coup je suis trop dark que t'as vu. Mais c'est pas grave. Du coup, ouais, je vais faire une petite pause, modifier tout ça et surtout manger. Hein. Et vous aussi, allez manger parce qu'il est 20h, il est l'heure de manger. Faites-vous à manger tout de suite. Au moment où je dis ça, la caméra se corrige. Sauf que c'est pas encore ça, hein, bibiche. Il faut encore s'améliorer. Ah, c'est ma position géographique dans l'espace en 3 dimensions qui change la correction des couleurs. C'est pas ça. Hein, il va falloir vraiment que je change de caméra. C'est pas très grave. En tout cas, on va en pause. Je sais pas si je vais en pause ou je finis le stream. Je pense que je vais finir le stream parce que dans une heure j'y suis encore. Donc bon, en tout cas, le stream est fini pour maintenant, pour le moment. Voilà. Je pense que je vais recommencer le stream dans une heure ou deux. En tout cas, merci aux gens qui sont passés. Merci aux gens qui ont regardé cette vidéo, cette VOD plutôt. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Moi, je vous dis ici à tous. Je vous vois une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. J'ai arrêté de faire ce bisou à tous parce qu'il est un peu creepy, je pense. Donc, juste, ciao, ciao. Voilà. Pas bisous. Je vous connais pas. Pas encore.